Mais comment vous allez? Ça va super bien. Ok, c'est confirmé, manager. Ok, je suis avec Mathis. On est venu, on a parlé, on a discuté. Bon, nous sommes tombés d'accord. Je suis avec lui. Je suis toujours avec lui. Je serai toujours son manager. Je serai toujours le manager du DJ Congélateur. Donc, je suis avec mon vieux père, le président de toutes les artistes du Côte d'Ivoire, le DJ du Côte d'Ivoire, avec mon père aussi, Esco. Comme ça, on est là avec mon père, la double signe. On est là. Donc, avec sa soeur, c'est la soeur de DJ Congélateur, et puis la femme de DJ Congélateur. Donc, je dis merci beaucoup à toutes et à toutes qui nous ont. Moi et puis mon artiste, on est tombés d'accord. On est ensemble. On est ensemble. Si vous voyez que peut-être il était fâché contre moi, parce que peut-être il avait fait des choses que ça n'était pas plus. Vous voyez, donc c'est peut-être des attachés contre moi. Donc, moi et puis mon artiste, on est ensemble. Et moi, ils vont parler un peu. Bon, moi, c'est Gros Gérard, celui qui est venu prendre le congélateur, parce que le congélateur m'a appelé. Il m'a dit, papa, c'est le président des artistes de Côte d'Ivoire, les artistes, président des artistes de Kumasi. Je suis au service structurel de la mairie de Kumasi. Voilà, je travaille là-bas. Voilà. Et il m'a dit qu'il souffre. Bon, c'est comme ça que je suis allé le chercher. Personne ne s'est pas caché. Voilà, on n'a pas kidnappé. C'est pas Tiesco qui allait le prendre. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous avez parlé, parlé, parlé. Quand vous ne savez pas le problème là, vous devez chercher à comprendre. Et aujourd'hui, lui-même, il a compris que sans congélateur, il ne peut rien. Voilà. Donc, effectivement, il est venu aujourd'hui, il a reconnu son tort. Parce que nous, ce n'est pas de les séparer, mais quand l'artiste, lui qui est ton patron, qui te donne à manger, pleure, il dit ça va pas, je suis malade, je souffre, on me frappe. Moi, en tant que président, c'est pas parce que c'est un congélateur, mais moi, j'allais le faire pour n'importe quel artiste qui est au détresse. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Nous l'avons réglé. Ses parents nous sont quittés jusqu'au village. Tous ses vrais parents, hein, parce qu'il y a certaines personnes, on ne sait pas qui d'être. Vous mettez sur les réseaux sociaux, ça arrive au bout de 500 là. Vous prenez, et puis vous dites ce que vous voulez dire. Voilà. Tiens, c'est cela, c'est cela. Donc, tu te la viens, c'est de la vie vis-à-vis, tu peux dire ce que tu veux dire. Donc, arrêtez. Dieu merci, nous avons trouvé un compromis.